bientôt la campagne agricole va démarrer. Et il est important de savoir ce qu'il faut pour mieux réussir sa saison agricole. Il y a certains critères importants que nous devons savoir. Et je vais vous parler de 4 critères que j'ai choisis et je pense qu'ils sont vraiment importants pour pouvoir réussir votre campagne agricole cette année. Bienvenue sur ma chaîne SNOGA Group. Mon nom c'est Sabi Aliati et sur notre chaîne nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Si cette thématique vous semble importante également, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne SNOGA Group. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. La campagne agricole va commencer bientôt pour nous qui sommes au Togo et je pense que pratiquement tous les pays de la côte ouest-africaine ont le même climat. Donc, et bientôt elle va commencer. Et notre objectif, c'est de réussir notre campagne agricole. Que faire pour réussir notre campagne agricole? Je pense qu'il y a 4 critères vraiment importants qu'il faut suivre. Premièrement, c'est le choix du terrain. Le choix du terrain est vraiment important. Parce que tous les cultures que nous avons n'ont pas les mêmes besoins. Donc, ce que tu veux cultiver par rapport à ta culture, tu dois choisir le terrain approprié à ta culture. Le choix du terrain est vraiment important. Je pense que c'est la chose la plus importante dans cette liste. Parce qu'il faut avoir un terrain qui va te permettre de réduire les coûts de production. Parce que si tu as un terrain qui nécessite beaucoup d'apport pour pouvoir rendre le terrain fertile, tu vas perdre beaucoup d'argent en essayant de changer le pH de ton terrain. Donc, le choix du terrain est vraiment important. C'est pourquoi il faut connaître le pH de son terrain. Il faut savoir ce qu'on veut faire comme culture et voir ce qui est vraiment adapté à son terrain avant de s'y engager. Et ça va vous permettre de réduire beaucoup les coûts de production. Après le choix du terrain, il y a une chose aussi qui est vraiment primordiale, c'est le calendrier agricole. On ne se lève pas pour faire l'agriculture parce que les gens font l'agriculture, je veux faire l'agriculture. Il y a un calendrier agricole qu'il faut respecter. Parce que par rapport à la pluie, ce que je le dis quand tu ne pratiques pas l'irrigation, quand tu pratiques l'irrigation, tu peux produire à tout moment. Quand tu pratiques l'irrigation, tu peux produire à tout le moment. Mais vous savez que la plupart de nos populations n'ont pas cette possibilité de pratiquer l'irrigation. Donc, on va souvent par rapport au dictat de la nature. Donc, si tu dois aller par rapport au dictat de la nature, il y a un calendrier agricole qu'il faut scrupuleusement respecter pour réussir sa production. Actuellement, je pense que chez nous, au sud du Togo, on a eu une pluie la dernière fois. Et cette pluie commence, avec cette pluie, les gens ont commencé déjà par préparer leur terrain. Vous devez commencer par préparer votre terrain à temps. Faire les sillons si vous voulez faire les sillons, faire les buts si vous voulez faire les buts. Et attendre les premières pluies de la saison pluvieuse pour pouvoir démarrer votre activité agricole. C'est très important de connaître le calendrier agricole de chaque région, de là où tu veux travailler. Parce que ça te permet de ne pas perdre tes produits. Parce que quand tu mets tes semences en terre très tôt, tu peux avoir le risque de ne pas avoir une bonne récolte. Quand tu les mets très tard aussi, tu peux avoir ce même risque. Donc, respectons le calendrier agricole est vraiment important et est vraiment primordial si on veut réussir notre campagne agricole. C'est vraiment très, très important, le calendrier agricole. On ne se lève pas pour faire l'agriculture parce que les gens font l'agriculture. Donc, après avoir acquis un terrain qui réussit à ce que vous voulez faire comme semence, il faut avoir un calendrier agricole. Approchez-vous des techniciens, des gens qui sont dans le domaine, pour pouvoir avoir le calendrier agricole de votre région, pour pouvoir mieux implanter votre activité. C'est le deuxième point, le calendrier agricole. En troisième point, on peut parler de la sélection des semences. On parle de la sélection des semences. Qu'est-ce que tu veux planter? Qu'est-ce que tu veux mettre en terre? Ce que tu veux mettre en terre, elle est comment? Les semences sont comment? Où est-ce que tu as acquis tes semences?
Est-ce que tu as fait un taux de germination pour voir si les semences que tu vas utiliser vont être propices, seront de bonnes semences? Parce que ça ne sert à rien d'acheter des semences sans faire voir le taux de germination. Tu plantes cela et ça ne réussit pas. Tu perds du temps, tu perds de l'argent. Parce que les gens qui sont venus semer, même si tu as utilisé les machines pour semer, tu as payé du carburant pour semer. Donc quand tu fais tout ça là et ça ne réussit pas, c'est une perte, c'est un gaspillage, c'est un perte d'argent. Tu as perdu de l'argent parce que tu vas recommencer. Et si tu ne fais pas attention, peut-être ça va te retarder par rapport au calendrier agricole et tu vas perdre ton investissement. Ou bien même si tu ne fais pas ton investissement, tes charges de production seront très très élevées. Il faut savoir que nos buts aussi également sur cette chaîne, c'est de vous permettre de réduire massivement votre coût de production. Des fois, quand on réduit le coût de production, même quand on n'a pas une grande quantité de produits, réduisant le coût de production, on a des bénéfices. Donc, comment faire pour réduire le coût de production est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, être sûr que les semences sont de bonne qualité, faire un test de germination vous permet d'éviter de reprendre la semence. Ça vous permet d'éviter cela quand vous faites les graines. Et même quand ce sont des tiges, des tubercules, il faut être sûr que vous avez des boutures de bonne qualité. Ça ne sert à rien d'aller acheter des boutures, des tiges de manioc, vous amener sur votre champ et que ça ne réussit pas parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité. Il faut être sûr de cela, c'est très important. C'est très très important. Les semences, s'il faut faire, c'est même pas s'il faut, c'est obligatoire de faire un test de germination pour être sûr que vous avez de très bonnes semences. Et je vais terminer par le quatrième point qui est vraiment important également parce que c'est le problème que nous avons tous quand nous faisons l'agriculture. C'est le problème de main-d'œuvre, problème d'ouvrier. Problème de main-d'œuvre, problème d'ouvrier. Et ça arrive toujours, ça arrive souvent. Il faut avoir de bons ouvriers qui vont vouloir vraiment travailler pour vous et qui seront là quand vous aurez besoin d'eux. Parce que des fois, on a des gens qui vont et viennent et quand on a besoin d'eux, on ne les voit plus. Et ça va foutre en l'air votre campagne agricole également. Quand il est temps de semer, vous ne les trouvez pas, ça pèse sur vous. Quand il est temps de sacler, d'arranger le champ, vous ne les trouvez pas, ça peut détruire votre production. Et quand il est temps de récolter, vous ne les trouvez pas, ça peut faire que vos produits vont pourrir sur le champ. Ça peut faire que vos produits vont pourrir sur le champ. Donc, avoir un groupe d'ouvriers prêts à travailler pour vous est vraiment important. S'il le faut, vous pouvez avoir des gens qui sont en permanence. Ça dépend de l'étendue de votre champ également. Des gens qui sont sur le terrain en permanence et des gens qui viendront de temps en temps quand vous aurez besoin d'eux. Donc, avoir un bon groupe d'ouvriers est très, très primordial et très capital également si vous voulez réussir votre campagne agricole. On a eu à passer par toutes ces étapes, on sait ce que c'est. Parce que des fois, vous n'avez pas un groupe d'ouvriers agricoles et quand il est temps de faire ceci, la semence, ou bien nettoyer le champ, ou bien la récolte, vous les trouvez en vain. Vous les cherchez, vous ne les trouvez pas. Vos produits vont pourrir sur le champ. C'est très grave. Donc, c'est très important de penser réellement à cela, à avoir un groupe d'ouvriers sur lequel vous pouvez compter. Ou bien vous pouvez faire des partenariats avec certains qui sont aussi dans l'agriculture, qui ont des ouvriers, qui sont de vos amis. Dans ce domaine, vous devez être dans un groupe d'amis qui font la même chose que vous. Vous vous entraidez de temps en temps. C'est très important. Surtout au niveau des ouvriers, au niveau des techniciens, des fois et des fois. Parce qu'arrivé à un certain moment, vous avez du mal à avoir accès à ces personnes. Vous pouvez faire recours à une personne qui est dans le domaine aussi, qui a des gens ou bien des compétences dont vous avez besoin à l'instant T. C'est très important. Réussir notre campagne agricole est vraiment important. Aimez, partagez, abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. À la prochaine.